Faut que là, les gars, on fasse ce chapitre. Il y a combien de chapitres en tout? Faudrait qu'on finisse demain, quoi. Parce que demain, on est jeudi. Demain, on pourrait finir demain. Chapitre 8, les amis. Cherchant à renouer avec le succès après un Grand Prix d'Australie frustrant, Casper Ackermann et Haas veulent trouver un peu de stabilité à Sakhir. Mais pendant la course, il devient vite clair que l'usure des gommes est un niveau critique. Les gommes à Sakhir, à Bahreïn, c'est compliqué. Et il y a le virage le plus difficile de toute la saison. Pour moi, c'est le virage le plus difficile. Oh putain, ça glisse. En plus, on va devoir conduire avec des pneus merde. Des pneus. Oh la vache. Ah oui, on est dans Tokyo Drift. Hayden rentre ce tour-ci. Reste en piste encore un tour, s'il te plaît. Quoi ? Il a pas un tour de moins ? Si, il est sur une stratégie différente. Et j'ai pas la priorité. Hayden arrive au stand. Reste en piste, Casper. Ok. Je vais reconduire avec des pneus morts. Mais regarde, je suis mort. Ils ont tellement abusé. Oh, je suis rentré. C'était vraiment urgent pour Hayden, hein? Sois patient, s'il te plaît, Casper. Et une place de moins. Et encore une. Ok, allez. Ok, donc là, je vais devoir dépasser Jackson. Oh putain, je vais devoir le dépasser, c'est sûr. Il y a 17 chapitres. Ok. Bon, cet arrêt n'était pas idéal. Essaie de récupérer quelques places, s'il te plaît, Casper. On va voir l'objectif à gauche. Récupérer les places perdues et finissez 8e ou mieux. On est 11e. Oh oui, quand même. Yo Patrick! Bien ou quoi? La forme? Allez. En retardataire, j'ai un peu le seum. Pourquoi j'ai pas passé à la 8? Merde, j'ai oublié mon RS. 60? Ok. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Bon toutou, Fernando. Jackson. Allez mon pote. Allez. Tu es dans les 10 premiers. Allez. Continue comme ça. Oh bordel, c'est quand même le DRS, je sais pas pourquoi. Il me rattrape en plus alors qu'il est drapeau bleu. Allez, ça dégage. Je crois que l'objectif est réussi, là. Quoi? Collision de quoi? On s'est pas touché. Pfff. Merde. Ok. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Allez. Pas mal ça les gars, hein, ce qu'on propose là.
L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes. Si j'avais pas chier, j'aurais pu rattraper. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Il ne reste Dernier virage, les gars! Oh! Let's go! C'est beau ça! Propre en plus! Belle course! Belle fin de course! Je l'ai éclaté, Perret! Je l'ai éclaté! On est bien dans un jeu vidéo, les gars! Pour qu'une As éclate une Red Bull! Et en fait, que je prenne As, Williams, Alfa Romeo, je sais pas quoi, c'est le même scénario ou ça change un peu? J'ai fini top 6, 7. Ah, Hamilton et Bottas encore! Hein. Le jeu, il s'est pas fait chier, il s'est dit passion. Mais Hamilton, Bottas premier, c'est terminé. Très excitante. Êtes-vous de cet avis? Félicitations, Casper. Ce n'était pas une course facile pour vous. En tant que spectateur, on a eu l'impression que vos deux stratégies d'arrêt au stand étaient incompatibles. Que s'est-il? La stratégie était mauvaise. Ouais, mais là, il faut dire la vérité. La stratégie était mauvaise. C'est voilà, il faut le dire, c'est tout. Parfois, quand on est derrière le volant, on doit prendre ce genre de décision. J'ai senti que les gommes commençaient à me lâcher. J'ai réalisé qu'il fallait que je rentre. Vaut mieux rentrer et perdre un peu de temps que se vautrer, non? Donc voilà. Donc le problème auquel on a assisté aujourd'hui était une décision d'équipe et non un signe que les tensions entre vous et Hayden continuent cette saison? Bon, je vais pas vous mentir parce que je suis sûr que c'est flagrant. Hayden et moi, on n'est jamais trop d'accord et ça crée des tensions. Mais on est aussi des pros. Donc ça devrait pas mettre nos performances en péril et je suis sûr qu'on va se... Bah, Breaking Point, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un plus qui est cool. C'est un plus qui est cool parce que on se sent vivre. Avez-vous un commentaire à faire sur cette hypothèse? Évidemment que je suis énervé. Sans compter le résultat d'aujourd'hui. Oh là, on critique l'écurie, c'est pas bien. Tout son potentiel. Du moins, c'est mon avis. Et c'est frustrant. C'est pas bien. Nous verrons bien ce que le reste de la saison nous réserve, mais je pense qu'on a tous... Putain, j'ai des gouttes qui dégoulinent le nom de mon cul. Chapitre 8. Malgré le temps perdu au stand, Ackermann réussit à récupérer les places perdues et à offrir une arrivée tout à fait respectable à Haas pour le Grand Prix de Bahreïn. Je comprends pas, Zoé. On le fait rentrer au stand avant moi. Ils lui ont donné le seul nouveau moteur l'année dernière. Et ils le font sortir après moi en qualif. Ça y est, ce gamin est le nouveau numéro 1. Je pense pas que ça soit le cas. Pourquoi? Il est mieux payé que moi, alors? T'es toujours énervé pour ça. Non. Je sais pas, peut-être. J'aurais préféré pas le savoir. Ah merde. C'est pas l'argent le problème. C'est l'ego, là. Je suis vieux. T'es pas vieux. C'est pas vrai, je suis vieux. Pour un pilote, je suis vieux. Allez, c'est ta dernière saison. T'as dit que tu voulais finir en beauté. Je dois toujours l'annoncer. C'est pour quand? Bientôt. Ok. Bon. Ah oui, il l'a pas dit encore. Pas Jackson. Il a pas encore dit que c'était la dernière saison. Et ne fais pas la victime, ça te va pas bien. Ouais, ok. La prochaine course, c'est Zandvoort. Tous tes fans seront là pour toi. Sois l'homme qu'ils aiment. Ah, Zandvoort, les gars, je vous avoue, c'est pas mon point fort. Quoi? Sois l'homme que j'aime. Ah, c'est pas le coup. Le coup paraît fin. Ça t'est venu comme ça, tout seul? Je suis une grande charmeuse. Oula, je sens que ça va dézinguer dans la cabine. Ouais. Verstappen n'est rien face à moi. Fallait que tu casses tout. Ouh!
Bon les amis, ça dit quoi après cette petite course là? En gros là le problème c'est Jackson qui veut nous mettre en retraite quoi. Qui veut nous dire vas-y, laisse la place aux jeunes, t'es trop vieux, casse-toi. Mais non, du grand n'importe quoi chez As. J'ai comme une sensation de déjà vu et une place de moins. C'est simple, Kerman n'était pas censé rentrer à ce moment-là, l'écurie lui a dit d'attendre. Ouais, ça change beaucoup de F1 2020 les gars. Quand vous allez jouer les gars, vous allez vous dire ah ouais, c'est pas le même jeu. Je sais que tu es énervé mais ne parle pas mal de l'équipe face à la presse s'il te plaît. Nous étions mis d'accord sur la stratégie d'avant-course. Ah ouais, mec, non, je crois que j'étais pas d'accord avec toi mon petit Gunter. Non. Avec sa famille dans les gradins, Kasper Ackermann espère pouvoir impressionner à domicile. J'avoue que quand t'es pilote et que quand t'as... Ça fait penser comme quand j'étais petit, que je jouais au foot et qu'il y avait ma meuf qui me regardait jouer, ou mes potes, ou ma famille. Genre je jouais toujours impressionné, faire des trucs de fou. Et comme j'étais pas très bon, bah j'étais toujours sur le banc et je jouais pas et du coup ils venaient mais pour pas me voir en fait. Ou alors je rentrais à la 90e. Aucun doute, c'est une course spectaculaire qui nous attend aujourd'hui. L'ensemble après, c'est ta fille. Ah merde, c'était ma fille. Oh le con. Et aux batailles qui vont se disputer pas aujourd'hui. On n'a rien vu, les gars. Accrochez-vous bien, car un nouveau Grand Prix de Formule 1 est sur le point de débuter. Le circuit de Zandvoort comprend 14. On est sur le premier chapitre du live, les gars, donc installez-vous confortablement. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelé, un tour de ce circuit de 4,2 km va mettre les pilotes... Je vais peut-être avoir du mal, je vais peut-être devoir recommencer. Bienvenue à tous pour un nouveau week-end de Formule 1. Nous sommes à Zandvoort et une chose est sûre, les fans néerlandais ne déçoivent jamais. D'ailleurs, l'armée orange fait tout autant partie de ce Grand Prix que le circuit lui-même. Max Verstappen demeure un favori. Attends, mais on dirait j'ai 60 ans là. Ouais. On dirait j'ai 60 ans. Aujourd'hui, vers la Kasper Ackermann. Ouais, je t'ai pas mis en avant là. Il va retourner la situation à son avantage devant ses compatriotes. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen. Grille de départ, c'est quoi? Ah bah ouais, en plus il est premier. Je suis sûr que c'est le but, ce sera de finir devant lui, mais. Combien moi? Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris. Ok, je pense que je suis loin. Sergio Perez. Ah oui. Et Bottas. Sainz. Ackermann. Ah, 8e. Ça peut aller, non? Et Daniel Ricciardo. 8e avec une As. On dirait que je suis un peu l'intru, non? Esteban Ocon. Jackson, il est 12. Il est où, Butler? Butler. Ah ouais, il est Russell, loin. Donc là, je pense que le but, ça va être de finir devant Verstappen, mais... Gasly, et pour finir... Ça me paraît compliqué, non? En plus, c'est un Grand Prix complet. Oh non. Je ne peux pas, les gars, je suis trop fatigué. On se met en quoi, hein? Non, je suis pas trop fatigué, mais c'est genre, c'est fatigant, quoi. On se met en quoi, à Zandvoort? On se met en équilibré, non? Vitesse de pointe accrue, ça pue, je pense. Je pense qu'il faut se mettre en équilibré. Je pense. Hein. Parce que c'est pas non plus circuit le plus rapide. On fait du jaune-rouge, on s'arrête tour 9. En vrai, la stratégie qu'ils me proposent, les amis, je pense que c'est validé. Hein. Bah, Inch'Allah, tout se passe bien. Je sais pas c'est quoi l'objectif. Terminer sur le podium. Ah! J'ai clairement loupé mon départ, là, non? Bottas, pardon. Excuse-moi, Bottas, appui accru. Vraiment? C'était pas mal mon départ là. C'est ici que je me cours à chaque fois. J'ai pris la bonne trage. Mais comment tu veux que je finisse sur le podium? Je comprends pas. Ah, je suis lent. Oh, quoique. Il est en hard, peut-être pour ça. Ok, premier dépassement. Mais si j'ose pas aller encore trop vite, c'est pour ça. Peur de spin. Ici, je sais pas comment prendre la trajectoire. Je sais pas du tout la prendre. Ok, concentration. Si je regagne un peu de temps à chaque fois, faut que j'apprenne à être un peu plus collé. Cette trajectoire là la prochaine. T'arrives pas, la braque pas. Fais chier, putain.
Ouais, tu vois, là, c'est vraiment... Putain, fait chier, c'est vraiment de la précision fois 1000, quoi. Je sais pas comment ils font pour accélérer autant aussi vite. On met la 5 vite, mais... Ok, le vibreur, là, faut pas que je le touche. Si je le touche, pas regarde, c'est bon. Après, de là à gagner autant de temps, je suis la meilleure. Il n'y a que le premier virage ou la ligne droite. Jolie manœuvre, bien joué. Let's go. J'ai pris trop bien là. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Mais non. Putain, mais nique ta mère. Nique ta mère. T'es nul, va derrière. D'accord, je l'ai jamais accroché ici. Allez, une place à gagner. Mais Verstappen, il s'est envolé, là. Voici l'écart avec notre coéquipier. 8,9 secondes. La même chose, quoi. J'espère que t'as pété ton aileron, toi. Sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono. J'ai un peu poussé quand même. Let's go. J'ai ma deuxième place. Premier, ça va être impossible. Boxe pas. Hein? Pourquoi? Je vais me retrouver dans le peloton? Oh putain, ouais, il y a moyen. Non, tout le monde boxe. On devrait aller, non? Dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Je suis en difficile, ouais. Ok, je ressors devant. Est-ce qu'on est en rouge là? Il s'est arrêté vers sa nom, reste à peine ou pas? Oui, ah merde. Ok. Il est loin quand même là. Regarde, j'arrive pas du tout là. Ça me saoule. Il va revenir sur moi. Il me trace vers Verstappen, il m'enrhume. Je sais rien s'il y a un meilleur tour, mais je pense que ça va être dur. Je fais bouchon, les gars. Heureusement que les bottes ici, ils sont pas bons. Hein. C'est ici, regarde. Putain, faut vraiment pas que je me chie ici. J'arrive pas du tout à le prendre, j'ai jamais pris bien encore. Regarde! Mon second Verstappen. Beaucoup trop fort. Dernier tour. Putain, j'aurais triché, je suis une salope quand même. Il craque. Il a craqué. Bon, deuxième place. On
on a fait l'objectif, quoi. J'ai quand même fait des flashbacks, mais c'était pas facile, j'avoue. Objectif réussi, les gars. Performance aujourd'hui. Let's go. Il donne tort à tous ses détracteurs avec cette course extraordinaire. Il doit être enchanté de finir sur le podium. Hamilton est costaud sur le circuit. Bah, il était plus rapide que moi largement, c'est juste que je le ralentissais. Et il offre de très beaux points à Haas. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Donc là, premier néerlandais, deuxième néerlandais. À domicile, on est pas mal. Hein. Après, dites-vous, les gars, Verstappen, il est né en Belgique. Hein. Je crois qu'il est néerlandais, mais il est né en Belgique. Il est belgo-néerlandais, je pense. Aussi. Vous décrochez un podium à domicile, Casper. Comment vous sentez-vous? Ouais, alors que ma famille est présente. Ma fille était là pour me supporter aujourd'hui et c'est un grand plaisir. On va parler de la famille quand même. Ça vaut tout l'or du monde de les avoir ici et. J'aurais été dépité si j'avais pas fait une bonne course. Ce qui aurait été amusant pour personne. Alors, ouais, je suis vraiment content. Comment ça va chez Haas? La bonne humeur est au rendez-vous? L'équipe est contente? Oui, bien sûr, ça n'a pas très bien commencé, mais il nous reste beaucoup de courses. Oui, bien sûr. Voilà. Ça n'a pas très bien commencé pour nous, mais on s'occupe de rectifier le tir et il nous reste heureusement beaucoup de courses pour ça. On attend le reste de la saison avec impatience. La seule chose sur laquelle on peut réellement se concentrer est la course suivante et c'est ce qu'on compte faire. Merci pour votre temps. Oh putain, dans les paddocks. Belle course. Merci. Bien joué, Casper. Vraiment une super performance. Eh, c'est dommage que ton coéquipier ne te félicite pas. Ouais, il est encore jeune. Hein? Il est jeune, mais il est pressenti chez Ferrari. À ce qu'il paraît. Ça va jamais se faire. Non? Tu sais garder un secret? Oula. Oui. On m'a contacté. Vraiment? Ah, félicitations. Tu gardes ça pour toi, mais les discussions avancent bien. Alors, tu vas devoir supporter Jackson un peu plus longtemps. Ah! Ça va aller, on s'entend bien. C'est pas ce que j'ai entendu. Donc lui, il va aller chez Ferrari. J'ai discuté avec un de tes mécanos. Il m'a raconté des choses très intéressantes sur Jackson. Tu sais ce que c'est, son problème, non? Vas-y. Il pense que t'es trop vieux. Il dit que t'es plus assez rapide. Trop vieux? Hé, mec! C'est lui, pas moi. Tu veux un conseil? Donne-lui tort. Il faut qu'il te respecte, mon gars. Comme moi. Eh, super course aujourd'hui. Allez, ciao. Putain. Attends, mais c'est Butler, il fout le seum alors qu'il a 18 ans, ce con. Pas normal, toi, t'as 40 ans, tu sais pas, tu l'envoies chier, c'est un jeune, quoi. C'est un jeune trop optimiste. Des signes d'amélioration chez Haas, évidemment, quand on fait une deuxième position aux Pays-Bas, forcément, c'est qu'on a une voiture, une vraie voiture. Zoé, allô Lily. Hey. Ah non. Lily est en train de danser dans le garage, ça mourir de rire. Tu peux venir? J'ai 2-3 trucs à régler pour l'instant. Ok. Hey, ouais. Je nous ai réservé une table au restaurant pour ce soir. Et Lily? Ta mère a dit qu'elle voulait bien la garder. Parfait. Vivement ce soir. On a un podium à fêter. Ouais. Merci, Zoé. À ce soir. Attends, mais il a la meilleure femme du monde. Mais vraiment la meilleure femme, là, pour le coup. Et il est encore déçu, quoi. Il est déçu. Il est deuxième. Qu'est-ce qu'il veut? Brian? Hayden? Oh, putain. Non, mais ma touche, là, ouais. Ouais. Casper? Je t'ai raté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelais juste pour te féliciter pour aujourd'hui. T'as fait une super course. Je suis occupé, Hayden. Ah, ok. Salut. Ouf. Attendez. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, c'est chamboule tout là. Ok. Réseau, qu'est-ce que ça dit? Une interview intéressante avec Carman. Avec Ackerman, ça n'a pas très bien commencé pour nous, consulter. Ok. Ackerman, il est trop chou, dédicace à sa performance. On a eu plein les yeux aujourd'hui. Ils sont les imbéciles qui veulent qu'Ackerman prenne sa retraite. Ah, sur le podium, je savais qu'Asper était capable. Voilà, les gars, là, on en reprend du poil de la bête. J'ai vu qu'on t'avait encore posé des questions sur l'atmosphère, ok, au sein de l'écurie. C'est bien de rester positif, mais faut juste faire attention à ne pas en faire trop. Les gens pourraient prendre ça pour de l'hypocrisie. Bon, après, je fais ce que je veux, mec. Chapitre combien? Chapitre 10. Grand. Oh, le Canada. Le Canada, les gars. Celui-là, on s'est entraîné il y a très peu de temps en contre la montre, mais c'était sur F1 2020. Chapitre 10, à quelques tours de la fin, les deux pilotes Haas sont dans les points. Casper Ackerman est devant son équipier, mais Hayden Jackson le rattrape progressivement. Oula! Quel scénario incroyable!
Oh putain, oui. Casper, Jackson est plus rapide que toi. Laisse-le passer. Casper, tu m'entends? Laisse Jackson passer, s'il te plaît. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, allô? Allô, allô? Oui, il est derrière toi, Casper. Confirme que tu vas le laisser passer, s'il te plaît. Il n'est pas assez proche. Allez, Casper. Le mur des champions. Premier virage. Oh putain. Donc là, faut que je fasse quoi? Faut pas que je le laisse passer? Faut que je le sème? Casper, écoute-nous. Il n'est pas plus rapide. Consigne de l'écurie. Compris, Casper? Il n'est pas plus rapide. Let's go. On l'empêche de passer. Faire comme le Grand Prix d'avant avec Hamilton. Il nous reste 5 tours de carburant. Oh putain. Oh là là. Oh, je l'ai pas touché. Malheureusement. Bon, le mur des champions. Comment on va le passer ici? Ma strat, c'est de freiner un peu plus tôt et de couper le premier et garder bien le deuxième. Je pense. Je me rate totalement, il reste derrière. Ok, ça pas mal. Hein. On commence à creuser un peu l'écart, il a pas le DRS. Il a une seconde 5 derrière moi. On est sur la même strat, on est tous les deux en soft. Il me reste pas mal de DRS, merci Kylian. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,7 secondes. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,0 secondes. Attends, je fais pas mal d'erreurs. Hein. Ça va les gars, je creuse bien l'écart quand même. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Premier enchaînement là, il est pas facile. Hein. Par contre là, je l'ai vraiment semé. Hein. 5 secondes derrière moi. Quoi ce bordel? L'écart avec le pilote de devant est de 3,3 secondes. Oh merde, je regardais le pigeon à côté de moi. Je suis mort, il y a un pigeon. Bah c'est toi non? Ton cousin. Le bâtard. Le bâtard. Il est pas au courant que je suis clairement là en train de jouer un jeu. Vous voulez le voir? C'est à se demander ce qu'il se passe en interne chez Haas. Clairement, la rivalité entre les deux pilotes ne se calme pas du tout. Ok les gars, objectif réussi. Je lui ai mis 5 secondes alors qu'il était censé me coller et être plus rapide. Oh, il n'y a pas eu de contact là. Mastrimac. Bon bah Hamilton encore devant. Eh hey, le jeu, ils l'ont surcoté Hamilton. C'était quoi? Oh putain. Oh putain. Lâche-moi. Non. Réponds-moi pour une fois. Oula. Oula. Casse-toi! Pourquoi tu te comportes comme ça? Ah, c'est moi le problème! Tu m'empêches de passer, et tu veux même pas me parler! Tu veux du respect, tu fais preuve de respect, ça marche comme ça! Et toi, si tu me respectais un peu! Commence déjà par le mériter! Et je fais comment, moi? Allez, vas-y, je t'écoute! Tu me laisses une marge de sécurité! C'est quoi ton problème? Oh putain. J'essaie de gagner! Ha! Et ça te rend si spécial? Tu me les brises, Casper! Je me calme. T'inquiète, t'auras plus longtemps à me supporter. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
J'en ai ma claque de ces histoires. Je me casse. De quoi ? Oula. Je prends ma retraite. Oh non. Oh non. Oh les problèmes. On se croirait dans Demain nous appartient ou dans Petit secret entre pilotes. Oh les problèmes, les gars.